Alors, donc, bah, on va profiter de la journée. Va se casser d'ici, de toute façon. Oh, de là. Merde. Est géniale cette mine, mais le problème c'est que ah, putain. Ah mais fais chier, comment je remonte? Non, puis par là il y a du bordel aussi sûrement. On allume. On allume. On allume, on allume. Et on allume. Et il y a juste un bloc de fer, mais pourquoi pas. Bloc de fer, mais bon, j'aime pas laisser traîner les trucs comme ça. Donc, du charbon, éclairer ça, hop. Clop, oh, c'est normal, c'est la lave qui fait clop. Donc, moi je venais de là, je crois. Parce que l'objectif c'est que je remonte quand même à la surface un petit peu. Voilà, mon four. Et ma table de craft du début. Donc, oui, alors j'étais remonté par là. Alors, l'objectif c'est que. Ah putain, comment... c'est quoi ça? C'est quoi ce bruit-là? Y a du monde par là? Et en fait, et puis j'avais trouvé que je pouvais remonter par là. Oui, j'essayais du charbon. Voilà. Putain. Ah là là, j'en ai rien à carrer du charbon. Je veux remonter. Par où? Non, là, ça descend dans les boyaux. C'est pas ça, putain, il est où cette sortie de merde? Il va quand même pas falloir que je recreuse jusqu'à ce que je remonte carrément, quoi. Putain, comment je suis un sens de l'orientation incroyable aussi, putain. Mais je suis certain qu'elle est pas loin la sortie en plus. Qu'elle est pas. Qu'elle est pas très loin. Allez. Oh putain l'enculé. Non, c'est un petit peu trop risqué, on va faire un pont quand même. Complètement débile, en plus j'ai de l'or sur moi quoi. Alors attends, comment on va traverser ici? Non, c'est pas ça que je veux faire. Au-dessus de la lave, le mec, un vrai fou. Bon, là-bas, c'est tout noir. J'aime pas ça. On va allumer. Et ça nous fait revenir ici, en fait, dans la grande salle. Ok. Ouh, putain de merde. Alors, ici, on a un petit peu de fer. Ouais, ça je m'en doutais qu'elle allait péter.
Là-dedans, ça pue le monstre. Sans l'araignée, déjà. Oui, mais viens là, toi. De la lumière. Ah! Je me casse par là. C'est pas grave, c'est tac-tac, mais c'est pas grave. C'est le temps de prendre l'or. Non mais je suis pas con quand même, j'entends bien. Je le tue avec l'arc, mais en tapant dessus avec l'arc. Eh putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce bug? Attends. Ah oui, mais en fait mon épée a été naze, c'est vrai. Pas un bug. Il n'y a pas deux squelettes en fait? Il y en a qui crevaient. Attends, je vois rien là. En fait, au lieu de sortir, je suis en train de m'enfoncer encore plus dans le truc. Si j'entends de l'araignée, j'entends... Putain, il y a un bordel monstre ici. Et voilà! C'était là, les saloperies. Allume, on voit rien. Oh là là, putain, comment ça descend, quoi. J'ai plus de bois là par contre. Ça commence à devenir critique pour le bois. Il va falloir vraiment que je remonte et que je refasse. Ça. Je fasse des torches. Il y a pas chier. Il y a un monstre. Je suis en train de me faire buter. Putain. Ça vient de là-dessous. Il y aura un donjon que ça mettra à toi. Mais bien sûr, le creeper. Seulement. Oh putain. Oh, putain. Voilà. Explose. J'ai pas chier. Allez, des torches. On va torcher l'endroit. Putain, je viens de voir une saloperie. Vite, retourne-toi. Putain. Putain, ici, c'est le bordel, sérieusement. Je suis sûr qu'il y a un donjon dans le coin, c'est obligé. Putain, mais il y a de ces trucs ici, il y a de l'or, il y a... Oh là 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 là, la caverne de fou, quoi, sérieusement. Donc, ici, on finit avec de la lave. Bon, bah, on va miner comme un gros chien. J'ai récupéré tout ce que je peux récupérer, hein, tant qu'à faire. Du charbon. C'est le bordel. Bon allez, je vais prendre l'or déjà. Ça fait plaisir même si ça sert pas à grand chose. Je ferai une armure, je ferai une épée en or. Je ferai des tas d'or en fait. Si j'arrive à me refaire une maison en fait, bah, parce que je vais être obligé de me refaire une baraque étant donné que la mienne a complètement disparu. J'aurais dû noter les coordonnées. Putain, la prochaine fois je note les coordonnées quand même pour la maison. Bon, en même temps, c'était une cabane à lapin, quoi. C'était pas non plus. Mais j'avais un coffre avec quelques trucs dedans, quoi. Bon, après, avec tout ce que j'ai récupéré depuis, ça remplace largement, mais bon. Le fait est que, voilà, j'avais quand même déjà commencé à avoir amassé pas mal de petits trucs sympas.
Ça, je vais le reboucher. Voilà. Alors, ensuite, là, faut pas y aller, c'est un piège à con. Là non plus. Donc, c'est là. Alors là, j'avais trouvé du charbon. Avec tout ce que j'ai là sur moi, là, putain, faut vraiment pas que je crève. Ah putain, j'ai justement à dire ça qu'il y a une saloperie de creeper qui m'a pété. Bon bah, le charbon, tant pis quoi. Et encore là, on va encore éclairer parce que putain, bah, rien. Bon ben c'est la lave, c'est comme le gros bordel cette caverne, c'est de plus en plus énorme et non mais là la prochaine session il y a pas, je fais une maison quoi parce qu'il faut vraiment que je plante tout le bordel que j'ai récupéré. Je vais crever comme un con avec tout ça. Oh là là, mais regardez-moi ça, il y a de l'or, il y a certainement plein de monstres ici. Oh là là, le truc de fou, putain, mais c'est un truc de malade. Regardez-moi ça, et on va se finir sur cette vue. Sur cette vue magnifique, je pense. Je vais... Bah oui, je vais arrêter là, parce que je vais simplement miner un petit peu ce qui est aux alentours. J'ai tellement de charbon que je peux me mettre à mon compte, quoi. Et encore une fois, je le répète, hein, je mine pas de façon calculée, quoi. Je prends juste les ressources que je vois en fait, celles qui sont à ma portée. Je ne fais pas de minage optimisé, je ne fais pas de galerie. Je me contente de me balader un petit peu dans les grottes pour récupérer les ressources. Qui sont juste comme ça posés négligemment, j'ai envie de dire. Voilà, hop, c'est déjà juste énorme comme ça quoi. Quand je pense à tout l'or que j'ai récupéré, le charbon aussi, hein. Putain, le charbon, c'est comme chauffer. Hein. Pour ça, il faut absolument que la prochaine session je ressorte d'ici. Aïe aïe. La prochaine session, je ressors d'ici et je me fais une vraie maison, quoi. Où je vais cette fois-ci noter les coordonnées pour les retrouver si jamais je me perds. Parce que là, je suis parti un peu à l'aventure. Je pensais avoir utilisé une bonne technique pour repérer l'endroit où j'avais mis la maison. Et puis en fait, bah, j'ai réussi à me paumer parce que je suis mort. Et en spawnant, bah, j'ai réapparu n'importe où, en fait. Voilà, ça c'est des erreurs de débutant à ne pas faire en fait, mais que j'ai réussi à faire quand même. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, il faut baliser quoi, faut baliser un maximum. Faut baliser quand on se promène, il faut pouvoir mettre des points de repère quoi. Comme ici, je me suis tellement enfoncé, tellement profond dans cette mine que je suis même pas sûr de pouvoir ressortir au même, enfin un endroit en fait c'est tellement énorme. Donc je vais arrêter la vidéo juste ici sur cette superbe cascade et je vais aller explorer un petit peu en bas dans les boyaux.